Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana ou, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Donc, on police nationale qui gagne déjà 25 ans d'expérience. 25 ans d'expérience. Près de 14 000 policiers et 5 000 employés civils. Avec toute tête chargée, problème que nous connaissons, la police là a fait face à elle. Problème d'effectifs, problème de management, problème de leadership et demande de sécurité qui gagnait. Pour la police a fait face à elle. Donc, sans pas faire trop d'histoire, je vous dis exactement, ça fait 2 mois depuis que je suis la police. Hein, et je débat tête moi 2 objectifs. Premier, c'était reprendre le contrôle de la police, hein, rapprocher de policiers hein, et puis commencer par le service sécurité à la population. Hein. Et première activité que je fais, c'est visiter les policiers, parler avec eux, tendre eux, développer une sorte de leadership participatif pour que nous remettions les policiers en confiance. MTCT tout, je suis arrivé le 16 novembre, je dis forme de travail pour que nous avons un message pour que la diaspora, qui vient fait 2-3 jours dans le pays, hein, malgré une situation difficile. Et je suis accompagné par des opérations que je fais pour me dire, premièrement, dire qu'on fait des audios pour l'autre commandant de la ville. Et la population n'a pas attaqué, rentré de tous côtés pour perception que la police n'a pas qu'à rentrer. Nous faisons ça, village de Dieu, et nous faisons des bouquets, et nous donnons des nouvelles. Yo. Effectivement, tu as gagné un petit résultat. Dans la rue, tu as gagné un pile blocus, tu as gagné un pile activité culturelle. Et Kounien, nous passons la première phase. Hein. Kounien, il y a des turbulences politiques qui annoncées. Il y a une élection qui est programmée dans le pays. Il y a un job par nous. C'est fait de telle sorte que toute activité de l'État, gouvernement programmé, la police avait joblé. Donc, c'est présence policiers dans le commissariat, c'est présence commandant dans un moment difficile, c'est effort pour nous faire, pour nous bailler policiers au minimum pour le café travail, hein, et travailler tout pour améliorer les conditions de travail. Yo, parce que ça, nous connaissons un mouvement de syndicat dans la police, là, nous-mêmes, côté de soutien, hein, tout policier a droit. Syndiqué, mais la fête dans l'ordre à discipline, dans le respect, règlement et loi pays. Donc, moi je dis non, en tant que diaspora, en tant que monde qui vit dehors, qui remet pays, sous commandement PAMNA, et je commence à faire deux trois initiatives, excusez-moi pour le citoyen. Rapidement, sous commandement PAMNA, nous effectivement commencé pour le contrôle. Nous avons fait changement dans le département, nous avons renforcé l'unité spécialisée, nous avons mis des task force, nous avons monté opération sur une base journalière. Nous identifions déjà, nous voyons déjà des avis de recherche pour toutes les qu'on identifie comme bandits. Nous identifions dans la police là, malheureusement des policiers qui ont des connexions, ils ont en pile. On est une minorité. Et personnel policier, hein, commencez à comprendre le travail là. Dès au moment où nous sommes en état léthargique, pas de mouvement, policier peu. Donc, travail à fait,
il prend une équipe pour changer une institution, il prend une autre équipe encore pour changer un pays. Sous question de sécurité, moi là pour continuer le travail. Et résultat au bras béni, toute activité qu'a fait sur l'année déjà au niveau de la police, là, nous programmons déjà pour que nous-mêmes, pour nous visiter le pays, pour nous capables de commencer à nourrir des projets d'investissement dans le pays. Nous avons un objectif pour 3 prochains mois, touristiels, pour que la police soit plus présente pour diminuer le cas d'enlèvement, le cas de kidnapping, parce que là, c'est un gros problème. Et là, on a besoin de participation de la population pour nous capables de réduire l'impact, ou du moins diminuer la zone de cachot. Et pour la police plus opérationnelle, le bon cas kidnapping, nous utilisons des procédures, fait des opérations, le bon faire, accompagné par un, pour que peur ça, que mouvement, phénomène kidnapping n'est créé pour diminuer. Et la police là, a commencé à équiper le matériel pour nous capable tracer appel pour que nous décourager éléments qui prend question enlèvement yo faire un business en pays. Là nous dans Grapna, groupe de recherche et d'appui à la production nationale, c'est en pile exposant avec membre comité coordination, c'est représentant Ramsa, rassemblement madame Sarah et puis en pile artistes avec artisans, de technologues etc. qui nous profiter, on connaît Grapna toujours profiter de occasion pour nous mettre drapeau production nationale là et devant tout le monde. Et ben dans sommet de la diaspora, yo t'ai invité Grapna vienne faire 2-3 exposants et vienne mettre produits que Grapna on a exposé dans tout le monde là et sous thème la production nationale d'Haïti à la conquête du monde. Et ben nous saluer présence Télé Guinée qui pas jamais négligé pousser production nationale. Nous même nous parler en collaboration avec toute l'autre organisation membre qui croit que avec production nationale yon pays c'est ça qui fait pays a existé pour nous aider Haïti à exister pendant la poussée production nationale en dedans pays. Et ben nous parler nous content tout pour comment diaspora yon paré pour collaborer avec l'État haïtien dans tout domaine et nous saluer toute décision président prend pour mettre banque de crédit agricole pour que nous-mêmes en tant que producteurs, en tant qu'artistes, en tant que top technologues, nous paré pour nous prêter parce que nous ne parlons de nous faire un cadeau, nous quatre travail. Nous parler pour nous collaborer avec le gouvernement dans le cadre de mettre plus de crédit à la disposition pour nous aider le pays à exister. M'a attiré attention gouvernement, diaspora, sur une organisation qui rentre dans le pays qui est Jotoya, qui a nettoyé le pays, qui vient nettoyer le pays. M'a dit que l'association ça, qui est déjà dans un pile pays dans le monde, et que l'autre pays, pour ne pas dire voisin, pour Bayo conseil pour dire Haïti pas mérité pour Jotoya ta vin nettoyer pays. Non seulement y a nettoyé pays et il y a installé de compagnies dans tout département yo pour transformer produits que yo capable pour faire toll pour faire toute qualité bagaille, mais ça qui est plus important, il y a nettoyer pays. Il y a besoin que l'État haïtien baille au permis pour fonctionner en dedans pays. Je souhaite que l'État haïtien penche sous ça et baille au papier qui possible parce que n'a pas cherché pour pays à nettoyer depuis longtemps. Jotoya vino fril. Je souhaite que l'État haïtien baille tout papier possible pour faire ça et doit faire pour pays. Comité. Et documents ça sont un document qui reflétait un ensemble des revendications et des discussions qui étaient gagnées tout autour du Congrès. Et nous pensons qu'il va permettre que le comité continue de travailler et qui rassure la diaspora dans tout ça, l'arrêt dans la constitution. Dans avantage de vie et dans avantage pour faire haïtien. Officiellement, je prenais les documents au nom de la communauté. Bonsoir à tout le monde.
comme nous connaissons, et yo pas qu'à faire prendre aucune décision dans pays an, si pas gain si pas gagnon inclusion féminine tout. Donc moi pas là et tout travail nous fait yo c'est de travail nous concerter sur yo. M'te gain possible alors moi c'est mettre mon agent, c'est un avocat membre barreau de Port-au-Prince. Donc nous te travail en pile avec diaspora par et par visioconférence. Donc toute recommandation nous te fait yo, nous tenu compte de yo. Alors moi-même m'a intervenu peut-être sur l'article 17.1 qui était dans la constitution amendée hein, qui dit que faut gagner au moins un quota de 30%. Donc on y a nous proposé 35% dans les instances de décision, y compris au niveau de la diaspora. Donc c'est moins dit nous comme ça, combat c'est combat nous toutes, n'a continué le travail et puis nous croyons que développement pays a pas qu'à fait à si gen haïtien qui dans l'autre pays qui pas en dans développement pays. Changement que prône votre ministère de la diaspora. Travail n'a pas le travail. Donc faut nous bal travail. Eh bien, m'a pas grand pile parole m'a dit non, merci. Mais gon belle nouvelle, content pile nous te venir. Et parce que y a monde qui t'a critiqué congrès a, parce que y a monde qui t'a essayé politiser lui. Mais quand même passé 3 jours passé là, c'est 3 jours qui vient pour changer un paquet de bail dans le pays là, parce que déjà gagner de grosses dispositions prend la surtout économique et nous connaissons diaspora tab goumer quelques jours pour des armes économiques dans mené et mon croit que disposition économique c'est les mêmes qui va faire différence dans tout ça nous régler pendant le congrès là. On dit tout le monde qui a participé au merci et puis vu que déjà a saute parler de forum économique là, on pensait que nous devons être en contact pour nous capable organiser forum économique là vraiment en mai, parce que forum économique là l'a gagné en pile bagarre et il va mener en dans diaspora qui va faire que retomber positif yo à bon pile pour pays d'Haïti. Merci beaucoup. Nous voici parvenus au terme de ce fructueux événement. Je tiens à remercier tous ceux qui y ont participé et qui ont apporté leur contribution à cette brillante réalisation. Mes remerciements vont tout d'abord à Son Excellence le Président de la République, M. Jovenel Moïse, qui a su nous honorer par son illustre présence. Monsieur le Premier ministre Joseph Jout, qui a eu comme d'habitude la brillante idée de nous réunir pour pouvoir cogiter sur les différentes difficultés rencontrées par la diaspora. Le ministre Gonzague. Le ministre Gonzague D, qui avec son intelligence coutumière a mis les ressources disponibles pour la réalisation de cette fructueuse réunion. Je suis en pourparler avec le ministre pour la réalisation du forum économique qui se tiendra au mois de mai. Je suis en pourparler avec le ministre pour la réalisation du forum économique de la diaspora qui devra se tenir au mois de mai. Déjà, nous vous disons que nous vous attendons, mes frères et sœurs de la diaspora, et pour reprendre le mot du président, diaspora la donne. Du 19 novembre 2020, la date où on avait signé le contrat avec la Fédération haïtienne de la diaspora, aujourd'hui nous avons abouti à ce fameux congrès. Debout tout le monde, on va chanter une chanson Haïti chérie, puis bon pays, passez où non point. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde.
une agréable soirée, si c'est matin, bon matinée.